Bonjour à toi, cher spectateur. Vice d'Adam McKay, un des gros favoris des prochains Oscars, était clairement le film que j'attendais le plus en cette année. Oui, je sais, c'est extrêmement tôt, mais en fait, je suis très très fan d'Adam McKay, comme vous avez pu le voir ce matin. Et au-delà de ça, en fait, le projet avait l'air d'être absolument alléchant au possible. Je veux dire, Dick Cheney est un personnage aussi énigmatique que légendaire dans la politique américaine. Le fait de voir Mackay aborder le sujet sans le moindre matériel de base si ce n'est des recherches, et en plus avec Christian Bale complètement métamorphosé en tête d'affiche, qu'est-ce que vous voulez de plus pour que j'ai envie d'aller voir un film dans une salle de cinéma honnêtement Le résumé pour faire simple, Dick Cheney est un personnage énigmatique de l'histoire politique américaine. Comment un homme qui pouvait s'occuper de réparer des câbles électriques dans le Wyoming a pu devenir au début des années 2000 l'homme qui a envahi l'Irak en tant que vice-président des États-Unis C'est clairement à ce jour... Le meilleur film d'Adam McKay, mais c'est bien plus que ça à mes yeux. C'est un film qui cristallise à merveille toute une époque dans le cinéma américain, parce que on a beaucoup tendance à dire dernièrement que les stars se sont mobilisées suite à l'élection de Donald Trump à la présidence américaine. Je pense que le film de McKay est bien plus corrosif que ça. Le film d'Adam McKay arrive à une époque où on tire des bilans des 20 dernières années en termes de politique et où clairement son long métrage vient là comme une espèce d'énorme coup de poing dans la gueule du système qui est en place à l'heure actuelle pour simplement rappeler qu'il y a eu des erreurs par le passé, qu'elles sont en train de se répéter et que finalement, là où beaucoup vont certainement y voir un film sur le passé, ce qui serait totalement justifié, je pense à mes yeux que c'est un film sur l'avenir. Un film qui cherche simplement à évoquer le fait que ces erreurs ne doivent pas être répétées et qu'elles sont en train d'être répétées. Par des mecs qui ne semblent pas avoir pris en compte le fait que des mecs comme Dick Cheney étaient capables de prendre le pouvoir sans que personne ne s'en aperçoive, devant les yeux même du président, et que même lui semble avoir cautionné ça. Et Adam Mackey arrive à le faire non seulement avec parcimonie, avec finesse, avec une énorme subtilité, mais surtout avec comédie. Et vraiment, le film est très drôle, très élégant dans sa démarche. Et il arrive vraiment à nous entraîner de bout en bout. En fait, je vois pas de quoi de plus vous dire pour vous donner envie d'aller le voir. Regardez la suite si vous voulez. Mais en gros, pour moi, c'est un film qui représente parfaitement notre époque. C'est un film qui cristallise une mentalité et qui, au-delà de cristalliser une mentalité, est capable de montrer tout ce qu'il faut faire pour créer un pur chef-d'œuvre. J'avais adoré The Big Short, qui pour moi était la parfaite synthèse de la véritable renaissance d'un auteur qui trouvait dans les travers de la finance américaine un moyen de lier comédie et cynisme au cœur d'une œuvre nécessaire et absolument essentielle dans le contexte que nous vivons actuellement où la vérité est proéminente. Adam McKay vient à ce jour de livrer son plus grand long métrage, son œuvre synthèse, un fantastique et intense moment de comédie teinté d'un cynisme et d'une forme de caricature tellement subtile que si la fiction rattrape souvent la réalité, il est indéniable qu'ici la réalité rattrape la fiction avec une puissance folle, à tel point que McKay donne à cette aventure politique un goût sacrément amer en bouche, mais délicieusement délectable dans celle d'un cinéphile. En termes d'écriture, c'est la première fois, je crois, qu'Adam McKay se retrouve vraiment tout seul à l'écriture d'un long métrage. D'habitude, il est souvent accompagné d'un ou deux co-scénaristes. Et The Big Short était particulièrement, on va dire, révélateur de ça. Là où The Big Short était extrêmement dense et complexe et n'arrivait pas toujours à être subtil dans la manière d'évoquer les différents points, pour moi, là, Vice est limpide en termes d'écriture. Et limpide parce que Adam McKay a une idée claire et va dans cette direction. Il y a évidemment des petits détails qui sont parfois un petit peu denses, qui sont extrêmement profonds, qui demandent un petit peu de background, mais Adam McKay arrive à rendre ça fort parce que Adam McKay sait créer des personnages. La plupart des comédies américaines de ces dernières années, qui ont été vraiment puissantes, qui ont marqué les spectateurs, l'ont fait parce qu'elles ont des personnages. Des personnages qui restent dans la tête d'un spectateur. Si vous regardez les grandes comédies, c'est souvent par le biais d'un grand personnage que ça passe. Ce qui marche dans l'écriture de Vice, c'est que McKay, à chercher à rendre chaque personnage intéressant, fascinant et fort, surtout. À aucun moment, il y a vraiment de protagoniste ou d'antagoniste dans ce film. C'est ça qui est assez fascinant, en plus. C'est que constamment, Adam McKay va brouiller les barrières. Va s'amuser avec un personnage et va se dire, lui, il est méchant. Mais tu le trouves pas un petit peu fascinant ou attachant Et lui, il regarde, c'est un confini mais il est plutôt sympathique, et il a vraiment une bonne gueule. Et il s'amuse de plein de petits détails comme ça. La narration également, qui peut sembler extrêmement bateau dans un sens, dans le sens où c'est un narrateur qui va nous raconter l'histoire. Je vous le dis pas ce que c'est, mais il y a une petite manière de jouer avec ça qui est très élégante de la part de McKay. Et il y a tous ces outils qui sont utilisés de la part du cinéaste américain tout du long du métrage. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il ne s'enferme dans des codes, dans des facilités, dans des clichés, dans des grossièretés. Il cherche constamment à aller plus loin, à les révolutionner, à leur donner une puissance, une parabole. Il y a un truc qui arrive en milieu de film qui est très très drôle, qui joue avec des cartons et avec, on va dire, une suite d'événements. Et à ce moment-là, on se dit, oh, tiens, le long métrage pourrait se terminer comme ça. Et McKay le fait réellement. Et c'est hyper intéressant de voir à quel point le cinéaste américain s'amuse de tous ces petits codes pour plonger le spectateur dans une histoire où vraiment il s'accapare tous ces événements et il cherche à les retranscrire tout en créant de la dramaturgie derrière. En se retrouvant seul, sans le moindre matériel à adapter ou co-scénariste pour le guider, McKay est libre libre comme le vent, et se permet des écarts de conduite, des moments de flottement, qui servent à la perfection son récit, et qui permettent à ce tout de sonner comme un scénario d'une clairvoyance et d'une subtilité folle. Là où The Big Short était un scénario parfois lourd dans ses explications et sa manière d'amener certains éléments, Vice est d'une limpidité absolument indéniable on peut lire et accepter tout ce qui se passe et rire et se délecter de toute cette folie humaine et politique qui se met en place devant nous pour créer un personnage de cinéma pur et dur et surtout construire une mythologie fascinante et puissante qui captivera certainement beaucoup d'entre vous j'en suis sûr. en termes de mise en scène pour moi c'est vraiment ça qui fait la force de ce film c'est-à-dire qu'en termes de mise en scène mackay joue hyper bien entre le cynisme la satire la caricature et la comédie pure. Il y a vraiment des moments où c'est de la comédie pure, où ça ne cherche pas à aller dans une direction où il va y avoir des barrières qui vont être brouillées entre les tons. Non, c'est vraiment purement et simplement de la comédie pure. Ça va être un geste d'un personnage, ça va être une manière de composer avec une action dans le plan, ça va être une manière de générer toute une espèce de tension au fur et à mesure qu'un dialogue avance pour arriver à une chute qu'on est incapable de voir venir. Et il y a plein de petits trucs comme ça. Il y a une séquence que je trouve absolument géniale. C'est une séquence où entre guillemets, Dick avec plein de ses collaborateurs vont se retrouver autour d'une table dans un restaurant. Et là où on s'attendra à ce qu'on leur énonce un menu et qu'il y ait un petit sous-entendu derrière, du genre, voilà, vous avez le steak de, vous avez le steak et ça pourrait sous-entendre une invasion de l'Irak, des choses comme ça. Non, non. Le serveur va leur, va littéralement leur énumérer, en fait, toutes les possibilités qu'ils ont en termes de politique pour envahir l'Irak. Et c'est plein de petits détails comme ça, mais qui vraiment pour moi sont révélateurs de la manière avec laquelle Adam McKay est capable de générer de la comédie autant de manière subtile que de manière vraiment gaguesque, dans le sens où vraiment il va y avoir des plans où on va se dire mais c'est pas possible, c'est de la comédie pure, on est dans du Will Ferrell et John c. Reilly, c'est c complètement allumé, il y a une scène où il y a Donald Roosevelt qui va rentrer dans le bureau, c'est littéralement, il va se taper le pied contre un bureau, il va continuer, et on va le voir en train, de, en train de se tordre de douleur, et il y a plein de trucs comme ça qui sont vraiment drôles dans le film. Le, le fameux, la fameuse bascule dont je parlais en milieu de métrage, c'est le générique qui va commencer à arriver à un moment où on est à peine à la moitié du film. Il y a plein de petits trucs comme ça qui sont vraiment géniaux de la part de McKay. Enfin, Moi j'adore ce réal et là pour moi il vient littéralement d'exposer tout ce qu'il pouvait faire en termes de cinéma. Maquet est parfait ici. Il est indéniable que son mouvement de comédie se couple parfaitement avec ce monde totalement délirant et déluré qui est celui de la politique selon Dick Cheney. Et cela donne lieu à tout un ensemble d'outils de comédie qui servent à merveille un tout cinématographique qui mélange les tons et les gestes avec une subtilité délirante. Il en résulte peut-être un pathos pas toujours si fin que cela, mais au fond, cela est un détail au milieu d'une immense mer de bonnes idées et d'instants de génie où McKay se permet de se moquer de ses personnages, mais également de créer tout ce qui fera ensuite la force et la rythmique de son montage et la générosité de cette histoire maîtrisée de bout en bout par un cinéaste qui voulait être vrai et faire surtout de son film un objet nécessaire. En termes de casting, tous les acteurs se donnent à Cœur joie pour rendre leur personnage explosifs dans ce long métrage. Eddie Marsan, Tyler Perry, Jesse Plemons, que je trouve vraiment extraordinaire dans le film. Je vous dis pas quel rôle il a, mais il est vraiment superbe. Sam Rockwell qui a mouru de rire en George W. Bush. Steve Carell qui tient une de ses meilleures performances comiques, largement, depuis très longtemps. Amy Adams qui est vraiment vraiment imposante dans le rôle de Lynn Cheney, elle a vraiment quelque chose, mais évidemment tous ces acteurs-là font pas le figure à côté d'un de... monsieur qui visiblement a décidé de jouer avec sa courbe de poids jusqu'à ce qu'un jour il se retrouve dans un lit d'hôpital, je pense. Christian Bale est tout simplement phénoménal dans le rôle de Cheney. Il possède chacune des images de ce film et donne lieu une nouvelle fois à une interprétation de légende qu'il inscrit à jamais dans les écoles de cinéma et d'acting comme un modèle d'interprétation. Au bout du compte... Vice est un grand film, un immense film. Honnêtement, je pense que même en tant que geste politique, tout autant qu'en tant que geste artistique, il mérite toutes ses nominations aux Oscars et il méritera pas mal de prix, je pense. Ça m'étonnerait pas qu'il reparte avec beaucoup de statuettes. Honnêtement, dans le genre, si vous voulez à la fois faire un geste politique et en même temps faire un geste artistique et récompenser une grande œuvre, c'est ce film-là qu'il faudrait récompenser. Je ne sais pas si ça arrivera. Mais en l'état actuel, Vice d'Adam Macquet est pour moi à la fois le plus grand film d'Adam Macquet, à la fois un immense film politique et satirique, une grande comédie de cinéma, et c'est tout simplement un chef-d'oeuvre. Donc avec ça en bagage, je pense que vous avez compris qu'il faut le voir en salle de cinéma. A plus